Le nombre d'offres d'emploi atteint des records. La nouvelle a été reprise un peu partout ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous avons près d'1 million d'emplois qui ne sont pas pourvus dans le secteur privé. 1 million d'offres sur le site de Pôle emploi, signe pour certains que l'économie redémarre. Mais que valent ces offres? L'œil du 20h les a passées à la loupe. Nous allons vous montrer comment le site internet de Pôle emploi dépasse la barre du million d'annonces. Regardez bien cette offre. Directeur des soins dans un établissement de Beson, dans le Val-d'Oise. Surprise, la même annonce pour un seul poste revient pas moins de 6 fois. Et autant de renvois vers différentes plateformes partenaires de Pôle emploi. Car parmi le million d'offres affichées sur le site de Pôle emploi, moins d'un quart sont effectivement des annonces de Pôle emploi. 77% proviennent de sites partenaires, des plateformes privées pour la plupart, dont l'établissement public met en avant les annonces. Voilà pourquoi on trouve des annonces en doublon. Mais nous avons découvert mieux encore le centuplon. Avec ses 109 offres d'emploi de musiciens au Bagad de Llanbihué en Bretagne, mises en ligne par un partenaire. Ah non, non, c'est une erreur. Nous, notre campagne de recrutement est terminée, nous avions besoin de 8 sonneurs. 62 offres identiques ont encore été publiées aujourd'hui. Ces offres, c'est du pipeau. Nous avons comparé quelques 750 000 annonces. 18% ont une description identique au mot près à au moins une autre annonce du site. Des militants de la CGT, qui ont analysé une par une des centaines d'offres d'emploi, constatent une proportion similaire de doublons. Le syndicat dénonce un intérêt financier pour les partenaires à multiplier les annonces sur le site de Pôle emploi. Pôle emploi garantit pourtant la qualité et la fraîcheur de toutes les offres mises en ligne. Une promesse pas toujours respectée, comme l'admet ce porte-parole. C'est normal que sur différents sites, vous ayez plusieurs fois la même offre. À nous de faire en sorte de bien repérer les doublons pour les supprimer. C'est pas toujours facile. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un travail davantage avec nos partenaires pour améliorer le contrôle sur ces offres qui nous arrivent. Une chose est sûre, derrière le million d'annonces en ligne, il n'y a pas 1 million d'emplois.